Bienvenue sur Besançon Métavers pour une courte présentation de son espace et de ses possibilités. Donc c'est une communauté de la plateforme Gatherton. Donc là vous avez une application sous forme de carte interactive. Interactive dans le sens où vous pouvez interagir avec les objets. Donc, par exemple là sur ces plots là vous avez accès à en fait des bornes de téléportation qui vous permettent d'aller d'un endroit à l'autre. Vous avez trois espaces possibles via ces plots et là vous avez un petit livre qui n'est autre que le livre d'or de l'espace où vous pouvez laisser des messages consultables publiquement. Donc, la carte se présente comme ça, donc pour l'instant il n'y a que le centre-ville qui est accessible par un ou plusieurs avatars. Hein, c'est-à-dire que par exemple dans cet espace là qui s'illumine, là le carré, vous pouvez être plusieurs en discussion et en visioconférence simultanée. C'est-à-dire que ceux qui passeront à l'extérieur du carré, ne vous entendrez pas et vous ne les gênerez pas non plus au niveau sonore. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a que quelques espaces qui sont indiqués, par exemple ici une boulangerie. Voilà, c'est pour donner un exemple. Et donc, ça, c'est la carte principale, c'est le centre-ville. Plus tard, via par exemple ce plot-là, vous pourrez accéder au quartier extérieur, au quartier de la périphérie. Pour chaque objet, en général, vous avez accès à une sous-carte. Par exemple ici, on a la guinguette. D'ailleurs, quand on s'approche des ballons, on voit une image qui apparaît, on peut l'agrandir. Et donc, on voit le lieu où on peut se déplacer. Quand on marche sur l'objet, en fait, on arrive dans une sous-carte qui vous agrandit la carte sur laquelle vous pouvez vous déplacer. En fait, vous êtes sur une carte qui est à grande échelle et vous pouvez aller d'un lieu à un autre à une échelle beaucoup plus détaillée. Voilà. Pour chaque accès de la sous-carte, à proximité, vous avez un plot qui vous permet, une bande de téléportation qui vous permet de revenir à la carte principale. Voilà, je vous invite à explorer la carte et éventuellement réserver un espace puisque cet espace est gratuit pour les associations, les bénévoles, les coopératives, pour toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. A bientôt, au plaisir de vous y rencontrer.